Pourquoi t'es si bonne humeur? Parce que je vais faire une heure de danse géométrique et aussi parce que Gwen m'a demandé d'être son partenaire. Ouh. Pourquoi tu fais ce truc-là? Pourquoi je fais quoi? Le ton que t'as, on dirait un fantôme qui fait des cachotteries. T'as encore tellement de choses à apprendre. Approche. Assieds-toi. Je t'ai pas dit, mais je suis allée à ma première fête garçon-fille avant les vacances. Et là-bas, j'ai appris un million de trucs sur les filles. Waouh! Une vraie fête avec des garçons et des filles! Oui! Sauf que les filles nous ont posé un lapin. La mère de Joey a dit, elles savent pas ce qu'elles perdent. Ça change rien, c'était une fête de grandes personnes. C'est sûr. C'est pour ça que je m'y connais. Et si Gwen t'a proposé de danser, à mon avis, tu l'intéresses. Bien sûr que je l'intéresse, on a plein de points en commun. Et je la trouve intéressante. Que tu es naïf, mon pauvre Mathéo. Je veux dire par là qu'elle t'aime beaucoup. Disons, comme toi, t'aimes l'astronomie. Je savais pas qu'on pouvait éprouver ça pour une personne. Tu peux rien, c'est factuel. Je le sais par le grand frère de Joey qui s'appelle Kevin. Et Kevin, il est vraiment grand. Il monte à l'avant dans la voiture, c'est dire. Donc il est assez lourd. Il doit sûrement connaître plein de choses. Exactement. Donc maintenant que Gwen et toi, vous êtes en couple, toute ta vie va changer. Tu avais des projets, ton nouveau projet, c'est elle. Et tu vas dépenser tout ton argent en bijoux et en fleurs. Tu devras te trouver un boulot. Attends, ça fait beaucoup trop d'un coup. Je croyais que j'avais juste accepté de danser. Une minute, t'es en train de danser, et l'instant d'après, tu distribues le journal pour payer le crédit de la maison. Mais félicitations!